L'annonce d'importantes réformes économiques par Pékin a bien orienté les indices boursiers d'Europe occidentale. Ils finissent tous en hausse lundi soir et parfois avec des progressions importantes. C'est le cas pour l'indice MIPTEL de Milan qui gagne plus de 2%, entraîné par le secteur des valeurs bancaires. Après une annonce favorable de la BCE les concernant dans l'optique des tests de résistance qui seront effectués l'an prochain. En ce qui concerne l'indice CAC 40 à Paris qui est positif en clôture, les plus fortes hausses concernent ST Microelectronics plus 2,8%, EADS plus 2,4% et Michelin plus 2%. L'euro est repassé au-dessus de 1,35$ sur le marché d'échange. Les cours du pétrole sont stables, ainsi que les cours de l'or à 1 276 $ l'once.